Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'astro, tarot surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Gémeaux? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Gémeaux, signe d'air. Qu'est-ce qu'on nous présente ici? Environnement menaçant? Est-ce qu'on va saisir la perche? Est-ce qu'on va sortir de l'eau? Allons-y avec le mot. Des requins, il y a des requins partout. On peut saisir le crochet. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? L'as. OK. Bon, bien, si on est tanné. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour sortir de là? On a juste à s'accrocher. Continuons. Pour le signe du Gémeaux, on a juste à opérer un changement, s'accrocher. Sacrifice. C'est la carte qui me parle de quoi? Est-ce que je subis une situation aujourd'hui? Est-ce que je me sens victime d'une situation? Il y a quelque chose qui se passe là, ici. Est-ce que je me sacrifie pour les autres? Qu'est-ce qui se passe? On est las. On peut s'accrocher. On peut opérer un changement. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se libérer d'une situation? Est-ce qu'on va demeurer là? On dirait qu'il y a quelque chose qu'on ne supporte plus, qu'on ne veut plus supporter, étant donné que j'ai le mot las. Continuons. On dirait qu'on veut se libérer ici. C'est comme si je pouvais recevoir de l'aide. Je peux m'accrocher. Voyons, j'échappe les cartes aujourd'hui. Bon, patience et planification. Je prends le temps de planifier, je prends le temps qu'il me faut pour... Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux réellement? Peut-être que ça demande de la planification. Ici, on nous dit avec la carte force spirituelle, tiens bon, il nous reste une étape à franchir. C'est une carte qui me dit que tu en as enduré beaucoup. Tu en as porté lourd. Ça achève. C'est la carte qui me dit que ça achève. Que ce n'est pas le temps d'abandonner.
ça achève. On peut avoir l'esprit du sacrifice où on subit ici une situation. On nous dit que ça achève. Continuons. Pour le signe du Gémeaux. S'accrocher. S'accrocher. Nouvel amour. Soit qu'on nous dit qu'un nouvel amour nous fait signe, soit que c'est un nouveau projet ici qu'on nous parle. Un nouveau projet de cœur. Le ensemble est présent. Ensemble, collaboration, entraide, alliance. Les émotions circulent bien ici. C'est la carte qui me dit que notre couple est sur le point de déborder de joie. Donc, on tient bon, c'est ce qu'on nous encourage à faire, ça achève. Si on subit un environnement, étant donné qu'on a la carte du sacrifice, bien là, d'après moi, on ne subira pas encore très longtemps. Ça achève. On s'en va vers des énergies nouvelles. Gémeaux, signe d'air. Partenariat. De l'aide ici. On reçoit de l'aide, du soutien. Et en fait, on reçoit, oui, on a commencé comme ça. On choisit ici, d'après moi, avec la carte partenariat et alliance, de saisir la perche. D'après moi, ici, on va quitter une situation où on se sent victime, pas libre. On va se libérer ici. Il y a quelque chose ici, là. On se libère d'un engagement. On se libère. On met fin à une entente. On met fin à un contrat. On met fin à quelque chose ici. Et énergie de changement avec la carte Nouvel Amour et Partenariat et Alliance. C'est comme si on était pour quitter un environnement ici. Menaçant. C'est menaçant avec les requins. Toute une gang de requins. Des requins. On va se libérer. On va se libérer. J'aimerais pas ça être là. Je vais clarifier la carte du sacrifice. Ou l'as. Les deux. Les deux se rejoignent. Je vais la clarifier, celle-là. Pour le signe du Gémeaux. On subit une situation. On dirait qu'on subit. Attendez un petit peu. Là, je vais m'installer. Je vais lever là. L'as, allons-y. C'est dans un milieu de vie. À la maison, un milieu de vie. C'est le foyer, un lieu d'habitation. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est un lieu d'habitation. Et la carte sacrifice peut nous parler aussi d'un... c'est l'énergie, si on me parle d'un lieu, on peut me parler d'un... une carte de service, c'est une carte, on peut parler de soins, on peut parler d'un lieu, on peut nous parler d'hôpital, on peut nous parler d'un milieu de soins, on peut nous parler même de prison. C'est comme si on se sentait en prison. L'environnement est menaçant avec les requins, puis on est tanné de ça. On est tanné de ça.
On est tanné d'être là. On a le goût de se libérer. Et avec la carte du sacrifice, d'après moi, on s'en va vers ce changement. On est peut-être en train de planifier notre sortie, notre fuite. On va s'enfuir. Force spirituelle, on tient bon. On planifie notre libération, notre sortie. On accepte l'aide. On fait équipe, partenariat ici. Nouveau projet de cœur. Comme si c'est quelque chose ici. Une alliance, une nouvelle association qui venait nous aider à nous libérer. On va se libérer de quelque chose. Enfermement, sentiment d'emprisonnement à la maison, au foyer. Au foyer. C'est comme si on se sacrifiait, qu'on s'oubliait. On se sent victime ici d'une situation. On subit quelque chose, mais ça va changer. C'est pour ça qu'on te dit, tiens bon, persévère, il nous reste une étape. Le partenariat est là. Nouveau projet de cœur, alliance, les émotions aussi. C'est la coupe qui est sur le point de déborder de joie, nos émotions. On dirait que tout reprend vie. Gémeaux. Nouveau commencement. Oui, nouvelle aventure qui commence. C'est un changement important. On est prêt à avancer. Là, j'ai regardé en dessous du paquet et j'ai vu la carte du triomphe. On va de l'avant. On est prête. On est prêt. On opère un changement. On se fait confiance. On fait preuve de courage ici. On reste connecté. J'ai des convictions. Je sais ce que je veux. Je suis prête. Je veux avancer. Je veux me libérer de ce qui ne me convient plus. Je suis dans un milieu où je me sens inconfortable. L'impression de subir, de supporter quelque chose que j'étouffe là-dedans. J'étouffe chez nous, j'étouffe dans mon milieu de vie. Nouveau commencement, nouveau départ, changement important, la carte numéro 0. On ne sait pas encore où est-ce que ça va nous mener, mais on est tout de go. J'échappe toutes les cartes aujourd'hui, les messages. Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités et mon succès final sera plus brillant encore. Alors voilà, c'est le message pour vous, c'est du Gémeaux. Bien, je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. À la prochaine!